Je remercie la direction générale de la police. Je remercie l'idée de saluer le comportement policier avec tous les manifestants dans la manifestation hier. La police a profité pour lui faire remarquer que depuis qu'il y a un bon comportement, un bon manifestant, la police a toujours garanti le droit pour les manifestants. La police renouvelle la nécessité qui gagne que dans la manifestation, il n'y a pas ni ZAM, sauf ZAM la police, ni Kachapika, ni Wash. Pour pendant la garantie droit pour nous manifester, pour nous manifester, mais tout de voile pour garantir l'ordre. Et parlant de l'ordre, nous connaissons que Fort Touron a un problème permanent, presque qui localisé même, côté que la police obligée une présence permanente. Depuis 15 novembre, dans le cadre du plan général, là, nous sommes obligés de faire un plan localisé en dedans Fort Touron même, côté que la police Port-au-Prince. De 15 à 25 novembre qui sont passés à la mené un ensemble d'opérations qui aboutit à environ 112 arrestations. 112 arrestations, 3 âmes, ça aussi, ces âmes que vous saisissez, non mais monsieur Cap, si met la troupe là en bas. Et il y a des âmes là-dedans qui ces âmes la police reconnaît. Et il y a 67 motocyclettes qui sont confisquées dans le cadre d'opération. Ça. Ok? Et on a dit tout que le plan ça a l'immobilisé. En pile policier, Port-au-Prince divisé dans plan ça en 24 secteurs. Et là, il y a 24 secteurs qui sont occupés côté cap, il y a des rondes de patrouille et il y a 31 points fixes qui répartis sur toute la zone Port-au-Prince-Lanet. Donc, dans le cadre de ça, tout, il y a dans rue Saint-Honoré à la 19 novembre, et la police Port-au-Prince saisit 13 kilos de marijuana okay, et arrêté 4 personnes. Là-dedans, il y a deux récidivistes. Ils disaient des nègres qui ont arrêté déjà pour drogue. Okay? Et que la police transfère et Port-au-Prince transfère le dossier à bon côté des CPJ. Qui lui-même a fait suite parce que nous avons BLTS qui a exclusivité dans le traitement question de drogue. Enfin, m'a dit que la police a profité de tout ça pour inviter mesdames à appliquer davantage dans l'école nationale police là, Captain Yo à frère, pour capable, parce que la police a besoin. Augmenter quota fi en dedans la police là et y a tant de les bras ouverts et n'a pas rappelé que recrutement son bail qui permanent et que n'importe l'un dans n'importe commissariat n'importe direction départementale on est capable inscrit et là y a balle toute information sur modalité pour qu'on ta augmenter effectif la police toujours disposée et là n'a renouvelé détermination pour qu'on accompagne droit moun yo pour manifester. Et pour la police, toujours accomplir devoir et tout de garantir l'ordre.